On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va faire du BeamNG. Steelhorse, le grand et cher gaillard, a donné le défi de pouvoir déplacer son nouveau mode, créer un qui refait un marteau. En fait, il a refait le marteau de Thor, voilà. Et il est un tout petit, un chouïa lourd. Vraiment, genre, je pense quelques kilos. Hein. J'ai installé le mode, il fonctionne très très bien. Je me suis pas trop spoil plus que la vidéo sur les dégâts que ce marteau occasionne, dirons-nous. Ça va être violent. En fait, j'aimerais bien voir combien il pèse du coup. Attendez, est-ce que c'est peut-être juste écrit? J'aimerais bien savoir. J'avoue, j'aimerais bien savoir. Ah non. Il n'a pas écrit. On peut utiliser la balance. Attendez, on va utiliser la balance. Si la balance ne meurt pas. Alors, elle est pas très très bien. Ah, mais il y en a plusieurs. Donc, on va sélectionner. Boum, notre petit marteau. On va le mettre sur la balance. Alors, bon. Ok. J'aimerais bien savoir combien il pèse. Hein. Ah, attendez. Et si on, essayons là, mais mettons-nous vraiment à fleur pour pas. Ok, oh, on a là. Ok, environ. Environ. Alors, la balance a rendu là assez vite, mais. C'est-à-dire que le marteau pèserait environ 335 tonnes. Bref, c'est lourd, hein. Regardez, on va essayer de le mettre dans cette petite benne de pick-up. Ah, bref. On va pas partir, là. Ouais, je vous garantis que là, on. On ira nulle part. Alors déjà, j'aimerais bien essayer juste de le mettre dans une petite remorque. Alors déjà, donc là, on a notre petit marteau. Est-ce que si on le pose là-dedans... Ça, c'est quoi? Ça fait tout trembler. D'une puissance. Mais le marteau est bien au sol. Hein. Putain, on a créé un marteau piqueur, les gars. Avec double essieu. Est-ce qu'il tiendrait le coup? Est-ce que si on le pose là... Ah, ben c'est le camion, hein. Oh, les pneus font la gueule, hein. Bon, en soi, il est dedans. L'essieu n'a pas explosé. Ok, on cale. À part faire... il veut pas. Ok, bon. Y a rien qui va. Tandis que le marteau est en train de malaxer la benne du camion. Le camion se désintègre tout seul. Avec le giga matelas, on va s'éloigner un peu. On va le poser là. Pour les biens de la science, nous allons déposer un matelas géant ici. Enfin, un matelas. Un coussin géant ici. On va faire spawn le hammer, genre, en haut. On va faire spawn le hammer depuis ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est décevant. Le coussin est en vie. Non, je sais pas. Ok, bon, c'est assez décevant. On va redéposer gentiment le hammer ici. C'est un endroit assez stratégique. Voilà. On peut les modifier, je crois, dans... me semble. Oui, pression. Max. Max. On met tout au max. Ah non, le jeu est en pause. Pourquoi il y a une explosion atomique? Je crois que c'est cassé, chef. On va créer la bombe nucléaire dans l'UNG. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Nous avons créé un monstre. Une boule, ok. Bon, profitant que la boule soit encore là, j'aimerais bien... voilà. Tac, le petit marteau. Oh, la boule se déplace. Éliminons la menace. Voilà, tu bouges plus. Oh, en vrai? Ah non. J'allais dire, en vrai, il se fait déplacer par la boule? Bah non, en fait, il a juste glitché dedans. Et nous avons créé un monstre. Il se passe des choses pas nettes ici, hein. Moi, je vous le dis. En vrai, je voulais essayer un peu une sorte de cheat code. On va modifier la gravité. Parce que du coup, théoriquement, si on divise la gravité par deux, on divise... Par exemple, on va mettre la gravité de la lune. Le marteau pèse moins lourd, en réalité. Du coup, est-ce que potentiellement le camion l'accepterait? Alors, peut-être faut que je le summon plus bas. Même c'est juste pas trop quelle hauteur il a. Ok, ça s'est pas tant désintégré que ça. Est-ce que si on essaye d'avancer... Oh, le... Oh, c'est un enfer. On va essayer de le poser délicatement au centre des essieux, voilà. Non, c'est l'endroit plus solide. Normalement, j'ai dit. Fait une crise d'épilepsie. Ah ouais, non, y a... Wow, wait a minute. Même avec une gravité faible... Parce que là, on est gravité de la Lune, ça fait quoi? On va dire que le marteau est 4 fois moins lourd. Ouais, 350 tonnes... Enfin, 350 tonnes. Parce que la balance a réussi à peser avant de se désintégrer. On charge les courses. Ah, on est au Super U.
Hop. On charge les courses. Parfait. Tout bien. Ça marche pas de fou, hein. Je sais pas vous, hein, mais je crois que c'est cassé, hein. Si on modifie la covette et qu'on lui met des giga suspensions derrière, je me demande si c'est les pneus qui vont pas éclater avant. Hop, on remet le butin dans le coffre. Ah là, on peut imaginer un gars qui essaie de voler le marteau, hein. Ah. Mon gars, tu fais passer ça en garantie comment? Ah mais désolé, hein, voiture de loque. Ah mais désolé, hein, monsieur, hein. Ah oui, puis on est toujours en gravité de la lune en plus. Attendez, toujours en gravité lunaire, hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment en mode y a rien. Autant la finir, cette pauvre voiture, hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une crêpe? Ah bah le jeu n'a pas aimé. Ah, j'ai défoncé les pneus avant. Pourquoi elle roule pas, là? Elle est neuve, la voiture. Elle est neuve. Pourquoi elle roule pas, là? Je me suis fait arnaquer sur le bon coin encore, là. Il m'a dit tout neuf. Contre CT, il a dit il y avait le CT. Et CT, la voiture. Est-ce que les portes fonctionnent? Est-ce que les portes fonctionnent toujours? Voilà. Que demande le peuple? Hop. Bon, je suis pas convaincu. Je suis pas giga convaincu. J'en viens presque à court d'idées, là. Sinon, oh, on peut essayer avec ça. Attends, ah, merde, je crois que je fais spawn le mauvais. En fait, il y en a un, il y a une déclinaison de ce truc, up, down. Voilà, boum. Oula, je fais de la merde. Ok, on va recréer, et du coup, mon idée, c'est peut-être que on puisse le monter, le faire monter en hauteur grâce à ce truc. En fait, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ici, là, en fait, il y a une petite plateforme. Et je me dis, en vrai, de vrai... Est-ce que on le fait spawn là, ça fait quoi? Ok. Ok, bah voilà, bon, let's go. Ah, le marteau, il n'y a pas Hector qui peut le faire. Regardez, je veux contrôler le marteau. Hein. Oh, pas de problème. Blop, 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 blop. Même, on peut même le faire sauter. Ah, il s'est collé à la face. What the fuck, il s'est collé à la face. Bon, après, j'avoue, c'est un peu du cheat, c'est pas réellement un véhicule motorisé. Oh, un caillou. Est-ce qu'un caillou de 6 tonnes peut soutenir un marteau de 300 tonnes, si on le fait tomber dessus? En fait, vraiment, les cailloux ne se déforment pas, il me semble. Bon. Attendez. Oh, salut, toi. Genre... Attends, mais t'es revenu à normal comme ça, en mode chill? Attendez, par contre, le caillou... où est passée ta virilité, petit caillou? Attendez, on va se mettre ça bien au milieu. Oh, j'ai visé à côté, je crois. Oh non! Ok, l'échec! Bon, c'est pas... On va le faire spawn juste ici. Ok, donc là... Mais je sais pas, moi j'ai vu le caillou faire des trucs, des bails chelous, hein. Attendez. What the fuck, le caillou? Les cailloux sont en fait des cailloux en caoutchouc dans UNG. En tout cas, le caillou de 6 tonnes est plus solide que le marteau de 300 tonnes. What the fuck? Ok, c'est bon de faire des cinématiques giga stylées. Le caillou a gagné, visiblement. Je crois qu'on s'est un peu éloigné du concept original.